c'est lui. Ça signifie que vous haïssez? Non, mon cœur, ça n'a rien à voir avec de la haine. C'est juste que la séparation nous a fait comprendre qu'on ne voulait plus de cette vie commune. Tu en es sûre cette fois? Oui, chérie, totalement sûre. Papa, lui, il est loin d'être convaincu. Je n'y peux rien. Tu sais, il y a quelque chose d'étonnant. Quoi? Toi, la spécialiste, pourquoi tu n'arrives pas à arranger le coup? La question est fort judicieuse. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que les gens changent. Attends, Angie, je vais t'aider. Attends. Ah, tu as réussi. Allez, chérie, on se revoit dimanche, d'accord? Téléphone-moi. Sans faute, hein. Salut, papa. T'es en retard. Bonjour, mon chat. Tu n'as qu'à entrer, je te rejoins. J'ai reçu les papiers aujourd'hui. Je sais. Je ne les ai toujours pas signés. J'aimerais vraiment que tu évites de revenir là-dessus toutes les fois qu'on se croise. Réfléchis encore, Julie. Je t'aime. Je peux changer à toutes sortes de niveaux. Qui te demande de changer quoi que ce soit, Max? Tu es ce que tu es, d'accord? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Julie. Oui, eh bien, parlons-en de ça. Peut-être que tu en as fait beaucoup trop. Il serait enfin temps que j'apprenne ce qu'est la vie. Vous êtes sur WRAP, la station de radio la plus écoutée d'Ithaca. Personne n'aime souffrir, Marisa. Vous pouvez choisir de vous isoler, de rester à l'écart du reste du monde. Pensez-vous que ce soit la solution? Non. Non, vous avez raison. Ce qu'il faut, c'est aller vers les autres et saisir toutes les occasions. J'essaierai. Voilà une sage décision, celle que j'attendais. Merci pour votre aide. Bonne chance, Marisa. Au revoir. Bonsoir, vous êtes à l'antenne avec Julie-Anne Kaiser. Le thème de ce soir, redémarrer dans la vie. Je vous écoute. Allô? Bonsoir, je m'appelle Nathanaël. Je vous écoute, Nathanaël. Je me demande l'effet que ça fait de redémarrer dans l'existence quand on a été en circuit pendant de longues années, 25 années à vrai dire. 25 ans, Nathanaël? Waouh, c'est long, expliquez-nous où vous étiez tout ce temps. J'étais indisponible. Vous étiez marié? Non, Julie. J'ai pas eu cette chance, vu que je suis resté enfermé dans une cellule toute cette période. Condamné pour un crime que je n'avais pas commis. Non, c'est vrai? Oui, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais à présent que je suis libre, je vais rétablir tout ça. Et qu'est-ce que vous entendez exactement par là, Nathanaël? Je vais te dire ce que j'entends par là, Julie. Tu appréhendes ce jour depuis 25 ans. Un original, désolé. Ça ne fait rien. Ce ne serait pas complet sans un taré ou deux. On va boire un pot. Ouais? Oui. D'un certain côté, ça m'électrise. Parce que je sens que le divorce va m'aider à rompre avec le passé. Mais
D'un autre côté, bon sang que j'ai les chocottes. De quoi, de rencontrer un autre? Non, seulement avec Max, on se connaît depuis qu'on est enfant, alors tu vois, il n'y avait que lui. Tu rigoles? À part Max, t'as connu personne durant toutes ces années? Si, attends, une personne. On s'était séparés il y a 2 ans et moi j'ai craqué pour quelqu'un. J'ai passé 2 semaines d'enfer avec lui, c'était génial. Est-ce que t'as conservé son numéro? Sou, tu es terrible. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air terrorisée. Je ne sais pas, j'ai attrapé la migraine. Avec le divorce, j'ai... Les souvenirs remontent, ça me remue dans tous les sens. À la tienne. À la nôtre, ma belle. Julie, l'homme que tu as vu cette nuit-là, est-il dans la salle aujourd'hui? Oui, allô? Allô? Il est ici. C'est cet homme-là. C'est lui.
Non, je dormais pas. J'ai une mauvaise nouvelle. Lloyd, c'est qui? C'est ma sœur, dors. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai vu Parmenter ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas possible. Il en a pris pour 25 ans. C'est justement ce que je veux te dire. Le temps a passé, ça va faire 25 ans. Oh non. Ouais, tu as raison. Malheureusement. Je n'ai pas cessé d'appréhender ce jour. Où est Angie? Elle passe la nuit chez Max. Bon, tu veux que je passe chez toi? Non, ça ira, ne te dérange pas. Je m'en veux de t'avoir réveillée, je suis nulle. Oh, je t'en prie, tu ne veux pas que je passe, t'es sûre? Non, ça va aller, pas la peine. Bon, écoute-moi, Julie. Il ne te touchera pas, tu entends? Il ne t'arrivera rien, alors arrête de t'angoisser. C'est par ma faute qu'il a atterri en prison. C'est moi qui ai témoigné contre lui. Je ne suis pas folle, alors? Non, vous êtes loin d'être folle, rassurez-vous. Nous dirons plutôt que vous souffrez. Ah. À la semaine prochaine. Je suis venue tous les jeudis. Billy, comment ça va aujourd'hui? Ça va, docteur. J'en suis ravie. Vous venez? Je vous écoute. Comment s'est passée la semaine? Je vous trouve très belle aujourd'hui, docteur. Je préférerais que vous parliez de vous, Billy. Bonsoir, vous êtes à l'antenne avec Julie-Anne Kaiser. Le thème de ce soir, le bagage émotionnel. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Caroline. Je vous appelle pour un problème relationnel. Johan, mon chéri. Quoi? J'ai mis tonné un plat qui te plaira, mon grand. J'ai pas faim pour l'instant. Mais il faut manger. C'est ce que tu préfères, John, du poulet rôti. Ouais, la peau est très croustillante. Tiens, sacre, ça croustille, toi, hein? Non, c'est un vrai moment. Assumez vos responsabilités, Caroline. Apprenez à gérer ce que j'appelle votre bagage émotionnel. Ce qui arrive n'est jamais un hasard. Où tu vas, mon grand? Je sors. Mon grand bébé sort? À cette heure-ci? Oh. J'ai un boulot qui m'attend, maman. Oh, tu as déjà du boulot, mon grand. Et c'est quel genre de boulot? Exterminateur. Un travail de nettoyage. Salut, ça va? Je lui file $100, Non, j'ai décidé de laisser tomber. J'ai la voiture, si tu veux, je peux passer te prendre. Allez, une seconde. Vous voyez pas que je parle au téléphone? Quoi? Non, je suis toujours là. Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas, la tête? Malade. Alors, c'est à qui? Je vous écoute, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle David. Oui, David, racontez-moi tout. Voilà, ça fait un moment que je trimballe un bagage émotionnel, selon l'expression. Et c'est embêtant, parce que ce bagage appartient à quelqu'un d'autre. Et à qui appartient-il, David? À toi, Julie. Il serait temps de m'en débarrasser. À moi? Ouais. Tu n'as rien à me dire, là? Cherche bien. Je n'ai rien à vous dire. De quoi vous parlez, David? Je parle de confession, Julie. Bon, c'est pas que j'en fasse grand cas, mais tu devrais y songer. Parce qu'en général, on se confesse avant de mourir. C'est la tradition. À mon avis, c'est la pleine lune ce soir. C'est à vous. Vous êtes à l'antenne. On continue avec le bagage émotionnel. Lloyd? Julie? Non, calme-toi. Calme-toi. Parmenter est sorti lundi matin. Oh, non, j'arrive pas à le croire. Lloyd? Oui, je viens, patience. Viens. Selon le directeur, c'était un prisonnier modèle. Lloyd? Oui, une minute. Attends. Je vais voir ce qu'elle veut. Oui. Oh.
t'arrive? J'ai vu Parmenter. Il était là, il m'a suivi jusqu'ici, je l'ai vu. Tu en es sûr? Je n'ai pas rêvé, c'était Parmenter, il est reparti. D'accord. Tu sais quoi? Demain, dans la matinée, on va passer voir les flics de ton secteur. Je préfère qu'on les mette au courant. D'accord. Allez, c'est rien. Thank you.
Lloyd? Qui est... Qui est-ce? Je te le ferai payer très cher, Julie. Oui, j'ai compris. Pas la peine d'entrer dans les détails. Dès que tu as le renseignement, tu m'appelles. Je compte sur toi. Ils m'ont emmené au poste. Salut. Tu me rapportes le dossier, s'il te plaît. Voici Lloyd Carson. Bonjour. Et sa sœur, Julie Kaiser. Je suis ravi de vous connaître. Asseyez-vous. Merci. Que puis-je pour vous? Ils veulent déposer une plainte contre un certain... John Parmenter. Parmenter, oui, voilà. Parmenter, l'homme a été relâché de Blairstown la semaine dernière. Il paraîtrait qu'ils ont déjà eu affaire à lui par le passé. Oui, allô? Julie? Oui? C'est Michael. Michael? Je suis garé en face de chez toi. Tu veux bien me laisser entrer? Julie? Oui, si tu veux. Tu n'as qu'à monter, Mike. Oh là 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 là! Oh, vite! Oh, mes chaussures! Oh, là là là, déjà! Allez, Julie. Ça va. On se calme, on se calme. Salut. Salut. J'ai passé les deux dernières années à me demander si je te reverrai un jour. Je te manquais? Tu me sers un verre? Je dois aller travailler dans une heure. Dans ce cas, je ferai vite. Après tout ce temps, je te dois sans doute une explication. Où est passé Max? On est séparés. Sans rire. Mm-hmm. Comme il y a 2 ans? Non. Non, c'est différent cette fois. C'est terminé entre nous. J'avais presque oublié à quel point tu étais jolie. Jamais parlé de tes parents, je trouve ça bizarre. Je n'ai pas eu le temps d'aborder le sujet. Je te signale que toi et moi, on ne s'est fréquenté que 2 semaines en tout. Nous avions mieux à faire que parler. Veux-tu qu'on en parle aujourd'hui? Non. J'ai décidé que je ne reviendrai jamais là-dessus.
Vous retrouverez le docteur Julian Kayser demain à la même heure. Elle sera à l'écoute de vos problèmes et tentera avec vous de trouver une solution. Et maintenant, place au sport avec Danny Breiter qui va vous entraîner dans les coulisses du championnat de basketball interuniversitaire. Belle soirée en perspective. Il avait ce regard et ce tatouage affreux. C'est fou, aujourd'hui encore, ça me trouble d'en parler. Il dormait dans un cabanon au fond de notre jardin. J'étais allée me déshabiller avant le dîner. Soudain, je l'ai aperçu. Il était là, à l'extérieur, dans la cour, en train de mater à travers la fenêtre. Dégueulasse. Quel salopard. Ouais. J'en ai évidemment parlé aux parents, alors... Mon père est sorti, il lui a dit que le lendemain matin, il devrait avoir fichu le camp. Et cette nuit-là... Tu sais ce qui s'est produit. T'as un de ces crans, tu parais toujours tellement sereine, Julie. Ouais. Parce que dans ce studio, on est comme dans un cocon. Si tu veux, tu peux venir à la maison cette nuit. Non, merci. Allez, à demain, Sou. Maman, j'ai 14 ans, c'est vachement gênant. On ne discute plus. À ce soir. Et c'est ce qui était convenu. Je sais, malheureusement, le prix des tuiles a augmenté de façon dramatique. C'est ça. Je ne veux pas le savoir. Débrouillez-vous, c'est clair? Vous m'avez fait un vie. Il faut vous y tenir. Je refuse toute augmentation. Monsieur Carson, je n'ai pas d'autre solution que... Non. Je veux mes tuiles avant vendredi. Je les veux au prix indiqué. Si je ne les reçois pas, je vous promets que ça ira loin. Je vous expédie chez le juge. Peut-être, vous me les livrez d'ici le procès. Vous êtes prévenu. J'irai jusqu'au bout. Ne vous fâchez pas, on trouvera un arrangement. Lloyd! Oh, bonjour. Ah non, pas lui. Moi, moi, c'est rire. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut, regarde. Hé, ça tire, on se calme, d'accord? C'est ma petite sœur. Ah, jolie, ouh. Ah, j'aimerais bien avoir une petite sœur comme ça, hein. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Je vais passer à Bradford. À Bradford? Qu'est-ce qu'il y a à Bradford? Le docteur Petrie. Hein, tu vas voir Petrie. Pourquoi faire? Tu ne l'as pas vu depuis des années. Je sais bien, Lloyd. Mais je dois régler certains détails. J'ai besoin d'avoir son écoute. C'est toi qui vas. Tu veux que je t'emmène chez elle? Ça va aller. T'es sûr? Julie! Oh, c'est bien toi. Oh, docteur Petrie. Oh. C'est incroyable, vous n'avez pas changé. Oh, à présent, je suis une vieille retraitée. Oh. Mais il y a toujours une petite place pour toi dans mon cœur. Entre, Julie. Merci. Pourquoi ai-je si peur? Pourquoi suis-je à ce point vulnérable? C'est la petite fille en toi, elle est réapparue. La première fois que je t'ai rencontrée, juste après leur meurtre, je t'ai aidé à affronter la terrible réalité, à dépasser ce drame monstrueux. Aujourd'hui, tu es une femme, mais cette femme n'est pas tout à fait en phase avec ce qui a effrayé l'enfant. Oui, sans doute.
se rince l'œil. Dans le temps, j'ai connu une petite fille. Elle avait l'air bien gentille et docile, mais c'était une vraie peste au fond. Toi, le dingo, fiche-nous la paix. C'est du pipeau, ces histoires de souvenirs retrouvés. Si on les écoutait, il n'y a pas une femme dans ce pays qui n'a pas été maltraitée par son père. Dans ce cas, quels sont vos arguments? À moi? Oui. Les faits dont on se souvient, qu'ils soient réels ou imaginaires, comptent beaucoup moins que ceux qu'on a choisi d'enfouir au fond de soi. Les souvenirs que l'on refoule? Exactement. Et vous, qu'est-ce que vous refoulez, Eric? Mon désir de sortir avec vous. Continuez à refouler, alors. Bonsoir, vous êtes à l'antenne avec Julianne Kaiser. Le thème de ce soir, les souvenirs retrouvés. C'est à vous. Bonsoir, Julie. Je m'appelle Paul. Oui, Paul. Dans la journée, il m'est arrivé quelque chose qui a fait remonter un flot de souvenirs. Vous voulez me raconter? Je suis passé devant une école ce matin. Uh-huh. Pendant la récréation, j'ai vu trois jolies gamines qui sautaient à la corde dans la cour. Mm-hmm. L'une d'elles, la plus jolie des trois, m'a rappelé une petite fille que j'ai connue il y a longtemps. Elle avait l'air gentille et docile, mais c'était une vraie peste au fond. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Vous savez ce qu'il y a de triste là-dedans? À l'école ce matin, il y avait un dingue. Quoi? Il était dehors, près de la cour. Il connaissait mon nom. Il y a toujours eu tellement d'horreur dans cette famille. Il a dit exactement ce que cet auditeur vient de dire. Et maintenant, c'est au tour de cette petite fille de perdre sa maman. On fait une pause pour la plage sportive, mais restez avec nous. L'émission n'est pas finie. Julie. Julie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'agace ou quoi? Ne commence pas à t'exciter, s'il te plaît. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Parmenter avait été libéré? Parce que j'ai eu le tort de croire que je pouvais m'en sortir toute seule. Mais enfin, Angie est aussi ma fille. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que je serais capable de négliger sa sécurité? J'ai pris toutes les précautions nécessaires. Je suis allée à la police, j'ai prévenu l'école, je l'accompagne à l'arrêt du bus tous les matins. Ce que j'attends de toi, c'est surtout pas tes sempiternelles critiques et tes vieux refrains de moralité. Tu changeras donc jamais, hein? Comment ça? Parce que tu t'es toujours conduite de cette manière. Toi, tout ce qui cloche, tu ne le règles pas, tu l'enterres. Fais-moi grâce de tes commentaires, Max. Ils sont inutiles, c'est plus toi qui gères ma vie. Angie, tu viens? Viens, mon cœur. Prends tes affaires, on doit rentrer. Au revoir, papa. Au revoir, mon cher. Salut Angie, c'est moi Danny. Rappelle-moi s'il te plaît. Danny, hein? Et moi qui pensais qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Ce n'est qu'un copain avant. Docteur Kaiser, c'est de nouveau Howard Albright, WNTS New York. Excusez-moi de vous appeler chez vous, mais nous serons en ville jeudi. Nous aimerions bien vous rencontrer afin de vous convaincre de quitter Ithaca. À votre convenance. Vous avez notre numéro. De quoi est-ce qu'il parle, là? D'un travail à l'échelon national. Le boulot du siècle. Tu veux dire que qu'on pourrait t'entendre dans tous les états? Mm-hmm. Tu deviendrais aussi célèbre que Howard Stern? Non, n'exagérons pas. Bon, allez, on va se coucher. Tu éteins la lumière? Bonne nuit, mon cœur. La 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 la
sais. Je n'ai pas revu. Allez, je parle de l'ensemble de l'organisation. Vous savez où se trouve la lanterne? Oui, juste en face. Tu as, tu ne devrais pas être étonné de me voir. Je n'ai pas arrêté de penser à toi jour et nuit durant ces 25 dernières années. Ça suffit, fichez le camp. T'auras plutôt intérêt à regarder derrière toi à l'avenir. Le jugement ne saurait tarder. Madame Parmenteur? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous laissez pas mon fils tranquille? C'est elle qu'il faudrait punir. Mon fils, il est doux comme un agneau. Il ferait pas de mal à une mouche. Elle a convaincu le jury dans sa petite robe blanche. Mais c'est très bien ce qui s'est passé ce soir-là. Ni avec elle dans la maison. Dites-lui que je désire lui parler. Prenez ma carte. Telle mère, tel fils. Oui. Tu n'oublies rien? Non. Pas trop fatigué? Non, ça va. Oh. Bon. Quelqu'un veut faire votre connaissance. Aladar, un gentil dinosaure, grandit avec une colonie de singes. T'es pas mort. Non. Il est leur héros. Je connais un passage qui mène à la vallée et tout le monde pourra le franchir. Il connaît un chemin vers la vallée paisible. On est arrivé chez nous. Une aventure héroïque au cœur du courage, de l'amitié et de l'humour. Il est moche d'une force, lui. Dinosaure de Disney, dès à présent en vente en vidéo et DVD. We'll be right back.
petite fille, c'est une coquine. Elle porte toujours son sweatshirt vert. Elle lui en fait voir de toutes les couleurs. Et le jour où elle en a eu besoin pour son spectacle, il avait perdu de son éclat à cause des lavages. Aujourd'hui, Asdelica a une nouvelle formule, Asdelica Vivactive, qui élimine les taches et le voile terne de saleté. L'éclat du verre est ravivé et pour son spectacle, ma petite fille est la plus jolie des petites fleurs. Nouveau Asdelica Vivactive, une nouvelle vitalité pour vos couleurs. Le corps humain compte pas moins de 650 muscles, dont 200 sont utilisés rien que pour marcher. Cuisses, genoux, épaules, dos. Un seul effort inhabituel peut suffire pour qu'un muscle ou une articulation devienne douloureux. Grâce à son principe actif et sa texture exclusive, Nurofen Gel pénètre profondément au cœur de la douleur. Mis au point par les créateurs de Nurofen, Nurofen Gel soulage rapidement et efficacement. Et la vie reprend plus belle. Nurofen Gel agit vite, pile où ça fait mal. Les singes sont les maîtres. Les humains, les esclaves. Qui renversera l'ordre établi? La planète des singes, le nouveau film de Tim Burton avec Mark Wahlberg. Composez vite le 0900 40 902 pour participer à l'avant-première. L'enfer, ma fille. Et son t-shirt préféré, blanc avec des couleurs. Et pour que le blanc reste bien blanc, si vous aviez vu comme elle le salit. Et si j'abîme, elle ne m'adressera plus jamais la parole. Heureusement, il y a Dash, plus de problème. Dash avec protecteur de blanc. Il rend le blanc parfaitement propre, tout en fixant les couleurs. Plus de soucis, les couleurs ne déteignent plus sur le blanc. Grâce à Dash, le blanc est impeccable. Maintenant, elle est tellement reconnaissante. Dash avec protecteur de blanc. Si blanc, on ne peut plus propre. Brit Correct Tite Roller, réécriture immédiate. Et pour un surlignage effaçable, utilisez le Brit Roller Marqueur. Avec Tempo After School Pack, la fin des cours va sonner autrement. Tempo After School Pack, c'est un pack avantageux à un tarif que tout le monde attendait. Vous téléphonez moins cher après les cours. Qu'est-ce que vous faites demain, docteur Kaiser? Comment? Quel est votre emploi du temps? Attendez. Je reçois deux patients dans la matinée. Ensuite, j'oubliais. J'ai un déjeuner d'affaires demain. Ces types sont des représentants d'une radio de New York. Hors de question d'annuler. Ce ne sera pas un problème. Entendu. Ensuite? Angie sort de l'école, le car la dépose au domicile de Max. Puis, je quitte le travail. Il m'arrive de passer la récupérer. Très bien. Nous déléguerons un flic en civil à l'école, une inspectrice. Si vous êtes d'accord, elle viendra ici le matin. Elle conduira votre fille à l'école et elle la ramènera. Il vaudrait mieux qu'elle n'aille pas chez son père. Non, c'est vrai, on s'arrangera, mais est-ce qu'elle sera protégée à toute heure de la journée? Oui, nous serons vigilants, faites-nous confiance. D'accord. Je peux s'en rassurer. On va vous laisser, il y a un agent en uniforme devant votre porte, alors si vous avez des questions, contactez-moi. Je le ferai. Au revoir. Merci, Michael. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Julie, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Non, remets-le là où il était. Julie, accepte-le. Lloyd, allez, prends ça. Allez, je sais ce que je fais, s'il te plaît. Prends-le. Ça ne sert à rien, je te jure. Je ne l'utiliserai pas. Je ne pourrai jamais tirer sur quelqu'un. Si ta vie en dépendait, je suis sûr que tu pourrais t'en servir. Je t'en prie, Julie. On n'en arrivera sans doute pas là, mais si tu étais en danger, je serais quand même moins inquiet de savoir que tu l'as tout le temps sur toi. Tu comprends? Prends-le.
D'accord, si tu veux. Je veux, oui. Bonne nuit. Bonjour, vous êtes chez Julie. Laissez un message après le bip. Julie, où es-tu? J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Tu es là? Qu'est-ce que c'était que ce message que tu as laissé? Rappelle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas trop. Je me demande si... Si quoi? Tu crois que c'est vraiment lui qui les a tués? Tu as de ces questions, Julie. C'est normal que je m'en pose. Puisque Parmenter n'arrête pas de clamer qu'il est innocent. Est-ce que tu t'entends? C'est un barjot et toi, t'es là qui compatis, qui cherche à comprendre. Oh. La psy est toujours là. C'est avec ça qu'elle gagne sa vie. Ouais. À demain. Bonne nuit. Au début, vous n'interviendrez qu'une heure, tôt dans la soirée, au moment où beaucoup de gens rentrent chez eux. Il faut vous constituer un auditoire de base. On commencera par des villes clés. On y inclura Ithaca, où vous avez une bonne audience. Après, j'en suis sûr, ce sera impossible d'arrêter la progression. Quelque chose ne va pas, docteur Kaiser? Non, tout va bien, rassurez-vous. J'ai eu peur qu'il en renverse sur moi. J'ai une question à poser, docteur Kaiser. Oui, allez-y. Auriez-vous à nouveau de graves ennuis? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre chauffeur, c'est un policier, non? Comment savez-vous qu'il s'agit d'un policier? Ces gens-là, on les reconnaît tous à leur allure. Pourquoi voulez-vous que j'ai des problèmes? Et qu'entendez-vous par à nouveau? Je vous posais la question, docteur Kaiser, c'est tout. Il n'y a pas de sous-entendu. Billy, je me demande quelquefois si vous n'êtes pas trop attaché à moi. Mais comment ça? Ce sont des séances de travail ici. Vous voulez aller mieux et je vous y aide. Oh, pitié, docteur Kaiser, ne m'envoyez pas voir un autre thérapeute. Pas ça. C'est vous que je veux. Je resterai ici. Je fais beaucoup mieux. C'est sûr. À votre avis, Brian, est-ce la fille qu'il vous faut? J'aime son look. Mm-hmm. J'aime sa façon de s'habiller. Oui. Je la trouve intelligente. C'est parfait. Je la trouve drôle aussi. Oh, dites-moi, elle a l'air très bien, cette jeune femme. Mais vous, Brian, qu'attendez-vous de plus? Je sais pas, c'est peut-être qu'une façade. On dit que les pires assassins ressemblent à votre voisin de palier. Il y a toujours un doute et moi, je veux être sûr à 100%. Eh bien, Brian, il vous reste un long, très long chemin à faire. Car dans cette vie, rien n'est jamais sûr à 100%. Mais il y a tant de choses que j'ignore sur elle. Il y aura toujours des points de sa personnalité qui vous resteront secrets. Mais vous, vous n'aurez qu'à faire confiance à votre intuition. Julie? Max? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qu'il y a? Je suis mort d'inquiétude. Voilà ce qu'il y a. Tu pourrais quand même répondre à mes messages. Je te présente le détective Lieberman. Et voici mon... Ton mari? Max Kaiser, mon mari. Ravi de vous connaître. Je voudrais la voir seule un instant. Bien sûr. Max, je reprends l'antenne dans 3 minutes. N'aie crainte, ce sera pas long. Pourrais-je savoir ce qu'il y a? Rien, il n'y a rien du tout. La police est à côté, ils contrôlent la situation. Et pour Angie? Angie est à la maison avec un officier, elle ne risque plus rien. D'où est-ce qu'il sort, lui?
Lieberman ? Oui. Michael doit... Il a vraiment l'air très intello. À mon avis, c'est le genre arriéré qui prend des cours du soir. Oh, Max, tu es... Oh, tu as vu, tu... Bravo ! Il serait grand temps que tu redescendes sur Terre. Tu ne comprends donc pas. Je te préviens, je te laisserai pas détruire notre famille. Max, s'il te plaît, lâche-moi, je reprends l'antenne. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il aurait pu te tuer. Est-ce que tu te rends compte ? Oui, figure-toi qu'il en avait l'intention. Bonsoir à tous. Au micro, Julie-Anne Kaiser. Le thème de ce soir, comment saurais-je si c'est bien lui le bon ou elle la bonne ? Parlez, c'est à vous. Bonsoir, Julie. Je m'appelle Elisabeth. Oui, Elisabeth. Allez-y, parlez. Je ne parlerai pas du bon, je parlerai du méchant. Ils l'ont eu, le méchant. Je ne comprends pas, Elisabeth. Le méchant a tapé à côté, mais la prochaine fois, il ne la rattrapera pas, la gentille. Vous voulez savoir pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis un passionné de justice. Parce que je veux te tuer et que je suis prêt à mourir pour ça. Allô, êtes-vous toujours là? Allô? Au revoir, Angie. Au revoir. Demain, c'est moi qui vous mets la pâtée au Scrabble, inspecteur. Oh, Angie. Allez, à demain. Oui, je meurs de faim. Je vais me faire un truc à manger. Vas-y. Elle est vraiment chouette. Angie, je monte me coucher et tu penses à mettre tout ce qui est sale dans le lave-vaisselle. D'accord. T'en fais une tête. Bonne nuit, chérie. Je te trouve une petite mine, ça va? Oui, je suis crevée, c'est tout. Bonne nuit. Bonne nuit, mon cœur. Thank you.
C'est une obligation. J'étais persuadée que tu adorais mes parents. Sois gentille, arrête de pleurnicher. Tu ne pars que pour quelques jours. C'est pas des pleurnicheries. Je m'inquiète pour toi, rien de plus. Tu devrais nous accompagner. C'est trop loin. Allez, c'est qu'à une heure de voiture. Max, tu oublies que j'ai les missions. Bon, peux-tu faire quelque chose pour moi? Quoi? Tu peux venir à la maison le temps que tout soit fini. Je t'en prie, Julie. Encore une de tes idées saugrenues, Max. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Juste que je te supplie que je me mette à genoux? Mais non. J'ai toujours été là pour toi. Quand t'avais l'âge d'Angie, j'étais déjà là. On dirait que t'en as vraiment rien à faire. Par pitié, change de disque. C'est plus fort que moi, Julie. Je t'aime. Max. Je suis prête. Génial. Nous aurons bientôt fini. Entendu, Julie. Je t'adore. Mon cœur, surtout, ne t'inquiète pas. Hein. Je te téléphone à la fin de l'émission. Je compte sur toi. Promis. On en rediscutera une prochaine fois. Parfait. Docteur Kaiser, je ne bouge pas de là. Merci, c'est gentil. A quitté San Antonio pour deux raisons majeures. Les nouveaux propriétaires l'avaient sérieusement critiqué après l'élimination au premier tour. Et surtout, il en avait assez de supporter le comportement fantaisiste de Tony Rodman. Si Tony n'avait pas été suspendu lors du match contre Utah, l'équipe aurait pu se qualifier. Il faut que tu me rendes un service. Trouve un vieil enregistrement de l'émission et passe-le, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as? Fais ce que je te dis. Je dois t'emprunter ta Jeep, j'en aurai pour deux heures. Est-ce que ça va? Je vais bien, je t'assure. Je t'en prie, Sue. Tu veux bien le faire pour moi? Malgré toutes ces dissensions, bien sûr. Je te donne le V. Merci. Ceux qui les percevaient, d'où la surprise à l'annonce. Bonjour, vous êtes à l'antenne avec Julianne Kaiser. Le thème d'aujourd'hui, les disputes constructives. Qui est en ligne? Dominique. Que puis-je faire pour vous, Dominique? Continue. Mon père m'a frappé. Il m'a traité de... De quoi? De... Il a dit que je m'étais exhibée à la fenêtre parce que je voulais que Parmenter me voie en petite tenue. Continue. C'était son caractère. Il était agressif, il était violent. J'étais paralysée, j'en avais peur. J'ai passé toute mon enfance à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi et pourquoi il était si dur. J'avais besoin de son affection. J'aurais voulu qu'il m'aime. Pour quelle raison tu ne m'as rien dit quand tu es venue me voir après cette nuit atroce? Je n'en sais rien. Peut-être que j'avais honte de moi. Je le haïssais. Et peut-être parce que j'étais contente qu'on l'ait tué. Chaque fois que j'y pense, je revois la même scène. Je vois le meurtrier. C'est toujours cette image affreuse qui revient. La jeune Julie quitte sa chambre. Ensuite, elle grimpe les escaliers. Elle voit ses parents morts dans leur lit plein de sang. L'assassin est encore sur les lieux. Elle voit son ombre et... Et quoi? Je me retourne, je regarde. C'est étrange car je ne vois personne, docteur. Je ne vois rien du tout. Il est là et je ne vois pas qui c'est. Par contre, tu sais de qui il s'agit. Sans doute. Qu'est-ce que tu es en train de suggérer, Julie? Que tu as vu l'assassin de tes parents, mais que ce n'était pas Parmenter. Comment est-ce possible? Pourtant, souviens-toi, ils ont trouvé le couteau couvert de sang dans son cabanon. Oui, mais c'était facile, c'était un saisonnier qui n'arrêtait pas de se saouler, on aurait pu le piéger. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est peut-être moi qui l'ai fait tomber dans le piège. Et l'ombre sur le mur, hein? C'était qui, docteur? C'était moi. C'était peut-être moi.
Est-ce que ce ne serait pas plutôt autre chose? Tu aurais vu cette personne, et c'était John Parmenter. Mais l'horreur que tu as ressentie était si forte que ton esprit a préféré l'occulter. Mais si c'est le cas, alors pourquoi est-ce toujours mon ombre que je revois sur ce mur? Je dois reconnaître que... Répondez à cette question, Dr. Petrie, oui ou non? Selon vous, est-il possible que j'ai refoulé tout ça et qu'en réalité ce soit moi l'assassin?
Je te répète qu'il était déjà mort. Mais je ne t'accuse pas, Julie. Faites attention, il y a des trous. Malgré les apparences, je suis de ton côté. Tu as une curieuse façon de le montrer. Oui. Mademoiselle Julie ? Oui ? Je suppose que vous vous rappelez pas de moi. Je suis Paul Erickson. J'étais l'officier de service la nuit où ça s'est passé. Vous avez raison, je ne me rappelle plus. C'est fini, là ? Tu peux le prendre ? Je suis désolée. J'ai fait tout ce qu'il fallait afin de ne pas me souvenir. Mike ! Du nouveau ? J'ai vérifié avec le docteur Petri. Ta chère et tendre dit la vérité. Elle est passée chez elle, mais elle est partie vers 5 heures. Alors ? Alors, je me pose une question. Qu'est-ce qu'elle a fichu après ? Julie avait couru sur près d'un kilomètre jusque chez Johnson. Parmenter aussi avait filé. On l'avait retrouvé 5 heures plus tard, terré dans la grange de Ferguson. Il s'était nettoyé. Enfin, il avait essayé, mais il avait du sang partout. Où était Lloyd ? Il n'était pas là, le grand. Il avait une copine, Sharon. Sharon Moore, si j'ai bonne mémoire. Il faisait le mur presque tous les soirs pour être avec elle. Qui d'autre aviez-vous interrogé ? Hein, je ne me souviens pas. Les Johnson, Ferguson et sa sœur, des gamins. Des écoliers ? Oui, des amis à eux, des camarades d'école. Le seul dont je me souvienne, c'est Max, c'était le plus âgé de tous. Lui et Julie, enfin, vous devez le savoir, ils se sont mariés quelques années plus tard. Max Kaiser ? Oui, Max Kaiser. Lui aussi est de Bradford ? Oui. Il est né et il a grandi à Bradford, ce petit génie. Tu m'avais caché que Max était un amour d'enfance. Et alors ? Il connaissait tes parents, lui aussi. Ça t'étonne ? Tu sais ce qu'Erickson m'a dit ? Selon lui, ton père n'était pas très apprécié. Ce n'était qu'une brute. Pour beaucoup de gens, il n'a eu que ce qu'il méritait. Il t'a dit ça ? Pourquoi ai-je la sensation que tu ne racontes pas ce que tu sais d'autre ? Je t'ai tout dit, tu entends tout, je ne sais rien d'autre. Erickson n'a pas perdu de temps. Il a mené sa petite enquête. Max était à l'université, réunion au bureau du personnel, et Lloyd se trouvait avec une de ses fiancées. C'est quoi ce délire ? Ils seraient suspects tous les deux. Il est clair que Parmenter ne s'est pas tué tout seul. Si ce n'est pas toi, Julie, alors c'est une personne qui voulait te protéger de lui. Si tu crois que je l'ai tué, dis-le. Entre nous, j'espère que non. Je ne veux pas le savoir. Je m'excuse, ça te va ? Je ne voulais pas te tomber dessus de cette façon. Ça ne fait rien. Mais je dois savoir ce qui s'est passé. Je te l'ai dit, n'insiste pas, Michael. Pour aujourd'hui, je sais, je veux savoir ce qui s'est passé il y a 25 ans. Ça aussi, je te l'ai raconté, non ? Mais je n'ai pas trop saisi. À t'entendre, tu ne te rappelles plus. Tu refuses de te souvenir. Mais de quoi, hein ? Je n'étais qu'une enfant, tu le comprends, ça ? Mon mental me protège, Michael. Il a voulu que j'oublie ce drame. Mais pourquoi as-tu tant de difficultés à le concevoir ? Mais enfin, pourquoi tu me cries dessus ? Hein ? J'ai besoin de comprendre. Je veux t'aider. Réveille-toi, tu ne vois donc pas que tout accuse. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, Billy ? Oui. Je ne dois pas être le seul. Pourquoi ? Vous aussi, vous devez être de bonne humeur. Tout va s'arranger. Vous avez eu assez d'ennuis comme ça à Bradford étant enfant. Ça va faire 25 ans. Il a fait cette réflexion subitement, en plein milieu de la séance. J'ai été surprise qu'il soit au courant de mon passé. C'était un camarade de classe ? Non, il était en terminale, lui. Si je lui adressais une fois la parole, c'est bien tout. Je vais vous réexpliquer. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Rien ne vous oblige à répondre à mes questions. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Vous comprenez ? Ça sert à rien d'avoir un avocat. J'ai rien fait de mal. Où étiez-vous dans la soirée de jeudi ? Je m'en souviens pas. Vous savez qui est Parmenter, n'est-ce pas ? Oui. Vous le connaissez de Bradford ?
Non. Pas vraiment. Mais je savais ce qu'il avait fait aux parents. Vous êtes amoureux de Julie? Depuis quand? C'est une question drôlement indiscrète. Pourquoi ne pas lui avoir dit qui vous étiez? Je n'en sais rien. Êtes-vous déjà allé en prison, Billy? Évidemment. Je vais être très direct. Si vous avez tué Parmenter, ce sera moins dur pour vous si vous avouez tout de suite. Billy, est-ce que c'est vous? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est pas drôle du tout. Ça fait une heure que je te cherche. J'ai une de ces peurs, tu es dingue. Max, je suis morte de fatigue. Il faut que je dorme, tu comprends? L'ironie du sort, Julie. Tu sais ce que c'est aujourd'hui? Non, quoi? Notre anniversaire. Notre 15e anniversaire de mariage. Max, je n'ai plus d'énergie, je suis crevée. Est-ce que c'est clair, là? D'accord, d'accord. Mais ouvre ton cadeau, au moins, prends le temps. Tu as vu un peu dans quel état tu te mets? Je sais. Navré, j'ai bu plusieurs verres et ça ne réussit jamais. Mais approche, voyons, viens quand même ouvrir ton cadeau. Je pense qu'il devrait te plaire. Tu portes ma chemise? Je l'ai embarquée par erreur. Oh, Max! C'est magnifique, je te remercie. C'est vraiment pas grand-chose. Je sais pas trop d'où il vient. Je sais qu'il te plaît, c'est déjà ça. J'ai le mal de toi, Julie. Ça me désole qu'on en soit arrivé là. Je n'ai pas toujours été très facile, je le reconnais. Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, tu dois me donner une autre chance, il le faut. Max, pourquoi viens-tu me tourmenter avec ça? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai toujours été là quand tu as eu besoin de mon amour. Je te soutenais quand il le fallait. J'ai vécu cette horreur avec toi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de ta présence. Je t'ai sauvé, Julie, j'ai mis fin à ton enfer. Jamais je te laisserai oublier ça parce que moi, je peux pas l'oublier. Comment ça, tu m'as sauvé? Ne fais pas l'innocente. Tu sais de quoi je parle? Non, je ne comprends pas trop, là. Je t'ai sauvé. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Explique. Tu as vu ta réaction. Comment oses-tu? Tu es là devant moi. Tu te comportes comme si rien ne s'était passé. Tu n'es qu'une égoïste. Je suis atterré devant tant d'ingratitude. Tu ne veux rien reconnaître. Et voilà. Tu coupes l'alarme, Angie? Oui. Je réponds. Non, c'est bon, mon cœur. Emporte ce sac dans la cuisine. Oui. Allô? Ne cherche pas des réponses. Tu risques d'être déçu parce que tu découvriras. Et si tu découvres quoi que ce soit, Julie, de toute façon, ce sera trop tard. Max?
Je te le dis, je n'affabule pas, Lloyd. Il me connaissait mieux que personne à Bradford. Il était au courant. Il savait que chez nous, c'était l'enfer avec papa. C'est possible, Lloyd. C'est possible, vraiment. Ça va aller. J'ai une trouille monstre. Je suis inquiète pour Angie. Allô? Allô? Et alors tu continues, Julie. La police est là, ils sont devant chez moi, ils attendent. Je sais que c'est toi. Quoi? Ne cherche pas des réponses, hein? Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Est-ce qu'il aurait fait une bêtise? Qui ça, chérie? Papa. Je n'en sais rien du tout. On nage dans la confusion. Et je donnerais cher pour avoir la réponse. Quand tu voudras le savoir, maman, tout s'expliquera. Essayez de remettre les pieds dans cette maison. Pourquoi es-tu revenu? Lloyd! Tu n'as rien? Ça va. Tu avais raison pour Max. Tout à l'heure, j'y ai pas cru. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux le surveiller. Je l'ai suivi et il m'a conduit jusqu'à toi. Ça y est, le cauchemar est fini. Est-ce qu'il est mort? Je ne crois pas. Tu devrais aller chercher de l'aide. Attends-moi, je reviens.
n'avancerait à rien d'aller leur dire. Personne n'a besoin de savoir. Ça doit rester entre nous. Ce n'est pas leur histoire. Je l'ai fait pour nous deux. Je sais que comme moi, tu les haïssais. Mais n'aie pas peur. C'est moi. Je t'en prie, Julie. Pense aux conséquences. J'en ai assez bavé pendant toutes ces années. J'ai dû vivre avec ce secret. Je t'en supplie, non! Ne gâche pas tout, Julie. Ne fais pas ça. Je t'ai prévenu que tu risquais d'être déçu si tu cherchais à découvrir la vérité. Cet endroit ne va pas te manquer? Me manquer? Non, aucune chance. Toi aussi. Allez, en route. À nous deux, New York! Bonsoir. La nuit est tombée sur notre belle ville de New York. Au micro, Julie-Anne Kaiser. Je me ferai un plaisir de prendre vos appels.